Bonjour. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de voir Remy souffrir. J'approuve ce geste. Mais il faut que vous puissiez le faire bien. C'est pourquoi je vais vous expliquer le fonctionnement du Zit Challenge et le principe de chaque défi disponible jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. Commençons. Vous allez devoir voter pour le défi et la map de chaque épisode via Destropol. Les liens sont dans la description de chaque vidéo sur le sujet. Voici les défis. Vous avez le couteau uniquement, je n'ai pas besoin d'expliquer. Enfin, j'espère. Le défi First Room où les joueurs devront rester toute la partie dans la première salle jusqu'à ce que mort s'en suive. Le défi appel EDF. LOL, on se tape de ces barres ici. Les joueurs devront survivre sans activer le courant. Le défi de boîte uniquement où les joueurs devront faire uniquement deux boîtes le plus tôt possible et devront garder les deux armes obtenues jusqu'à la fin. Le défi du nomade. Celui-là n'est valable que pour la carte Chinanuma. Les joueurs devront passer les manches uniquement dans les maisons aux extrémités de la map et en changer toutes les manches. Le défi mécanophile. Celui-là n'est valable que pour la map origine. Les joueurs devront passer la majorité du temps sur le tank et n'en sortir qu'en cas de nécessité et non en cas de danger de mort. Et enfin le défi coup de pute, tous les joueurs devront aller en partie publique et essayer de terminer la partie le plus tôt possible en tuant les autres joueurs avec des pièges. Voilà, je vous laisse mes petits magoulins. N'oubliez pas de proposer des défis qu'on pourrait rajouter à cette liste. Et surtout n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner.